Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à soutenir son créateur sur YouTube. Boruto, Naruto Next Generation, notamment l'anime, est souvent critiqué par les fans de Naruto et de Naruto Shippuden. Les spectateurs lui reprochent beaucoup de choses, et sur l'anime notamment, de trop nombreux épisodes filler. Mais les gens ont-ils raison de critiquer Boruto à ce point? Ou ces critiques négatives sont-elles justifiées? Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à ce qui est pour moi le plus gros problème de l'anime Boruto, l'échelle de puissance des personnages. Bon, comme vous l'avez certainement compris, aujourd'hui nous allons parler puissance des personnages, que ce soit dans Naruto ou dans Boruto. Car si aujourd'hui de nombreux fans se plaignent, ce n'est pas tant parce que l'anime fait des épisodes filler, même si ce n'est pas vraiment des fillers ou des hors-série, mais on en parlera peut-être une autre fois si cela vous intéresse. Ce qui dérange, c'est le non-respect de l'échelle de puissance qui avait été établie sur le manga Naruto. Si vous êtes à jour sur l'anime Boruto, et je vous conseille de l'être si vous souhaitez regarder cette vidéo, vous savez certainement de quoi je veux parler. L'arc en cours sur Urashiki Otsutsuki n'est pas un bon arc, et pourtant tout y est. Bonne animation, une histoire qui a le mérite de mettre en danger le monde de Boruto, et en plus des personnages comme Kankuro que nous n'avions pas vu depuis un bon moment. Mais ça coince. Pendant cet arc, Boruto et Shinki, des Genin, affrontent Urashiki Otsutsuki, un dieu censé avoir à peu près les mêmes compétences que Kaguya. On a donc deux ninjas pas très expérimentés contre un dieu. Et bien oui, Boruto et Shinki vont mettre à mal un dieu. Ce n'est pas cohérent. Alors, pour bien vous montrer le problème, voici quelques explications. Naruto et Sasuke Genin n'étaient pas mauvais, mais se faisaient battre à plate couture par Kakashi. Kakashi qui lui-même insinuait qu'il faudrait être fou pour s'en prendre à Orochimaru lorsqu'il scella la marque modiste de Sasuke. Tu disais que tu étais assez fort pour me battre. Tu le penses vraiment? Essaie, si tu peux. Pourquoi essayer de le battre? C'est de la folie! Orochimaru, qui lui ne veut pas affronter Madara lors de la 4ème grande guerre ninja, par peur. Et Madara qui se fait littéralement éclater par Kaguya Otsutsuki. Maintenant prenez en compte qu'Urashiki est un dieu, un Otsutsuki. Il est certes moins fort que Kaguya, mais forcément plus fort que Madara, qui n'est qu'un simple humain. Donc si on colle tout bout à bout, Boruto et Shinki, ensemble, auraient pu vaincre Madara Uchiwa. Je pense donc que vous voyez où est le problème. On nous propose aujourd'hui un Otsutsuki qui se fait malmener par des Genin, et ces mêmes Genin s'en tirent sans blessure, juste essoufflés. Un autre exemple, juste pour le fun, Zabuza a mis mal Kakashi, qui a même été blessé, alors que là, Urashiki n'a même pas réussi à blesser Boruto ou Shinki. Un dieu n'a pas réussi à blesser de simples Genin, alors que Zabuza, un ninja expérimenté, a réussi à blesser Kakashi. Un autre ninja expérimenté. Alors certains pourraient me dire que je pique juste une crise, que l'arc était pas si mal, etc. Kurashiki ne faisait que s'amuser avec Boruto et Shinki, et que c'est pour cela qu'on a l'impression qu'elle est nulle. Vous avez raison, l'arc est bien, l'animation est bien, l'histoire est bien, mais Urashiki, non. Je le considérais comme l'un des plus puissants Otsutsuki, car son pouvoir est incroyable. Il vole le chakra de Senin avec sa canne à pêche, et peut ainsi voler leurs compétences spéciales, telles que le mode Senin de Mitsuki, le pouvoir de contrôler le sable, de Gaara, etc. Dans mon esprit, il est passé d'un gars puissant, grâce à son pouvoir, à un gars merdique, qui perd contre des gamins de 12 ans. Enfin bref, pour conclure, j'espère quand même que la suite de l'anime sera bien, c'est vrai que je crache pas mal dessus, mais au fond, je l'aime beaucoup cet anime, et j'attends chaque semaine mon petit épisode de Boruto. J'espère que les studios Pierrot vont comprendre qu'ils ne peuvent pas briser l'échelle de puissance comme ça, et qu'il faut respecter ce qui a été établi des années auparavant. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet arc, ou même des problèmes de Boruto en général, en commentaire. Je pense qu'on pourrait trouver quelques petites choses ensemble, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Cette vidéo c'était un petit peu un test pour voir si le format plaît, si parler de manga plaît, etc. Alors n'hésitez pas à me donner votre retour sur cela en commentaire et à bombarder de partages et de likes si la vidéo vous a plu. C'est très important pour moi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tout le monde et portez-vous bien.